la plupart, on est... pour la plupart, on est manipulé par les situations. On se fait du mouron. On s'inquiète. On se demande qu'est-ce qui va se passer. En fait, on est tout le temps occupé avec ce qui va se passer, ce qui devrait y avoir, comment ça va se jouer les choses. On ne veut pas que quelque chose nous arrive et nous tombe dessus, quoi. Donc on se fait du mouron. Et tu vois, cette activité, ça s'appelle l'activité de la pensée. L'activité de celui qui s'inquiète, celui qui n'a pas la paix d'esprit. Parce que la paix, en fait, les choses arrivent, mais tu les laisses arriver. Tu ne subis pas ce qui arrive, parce que tu es en paix. Et un esprit en paix ne fait rien pour arranger ce qui doit se passer. Parce que tu aimes ou pas, ça va se passer comme ça. Si tu dois mourir demain, tu ne peux rien faire. Voilà, c'est comme ça. La vie, tu ne peux pas dire à la vie comment elle doit être. Qu'est-ce qui doit arriver? En fait, on aime tous être des prophètes de ce qui va venir. Parce que finalement, on ne connaît rien. Rien, absolument rien. Et c'est ça le désarroi de l'homme. Donc on veut tout savoir. Parce qu'on est ignorant. On veut savoir s'il y a un Dieu, s'il n'y en a pas. On veut savoir si quelqu'un va m'aimer toujours. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Donc tout ça, c'est l'occupation de l'esprit. Et tu vois, le problème, c'est que nous avons appris à nous inquiéter, même s'il n'y a rien à s'inquiéter, on va trouver quelque chose pour s'inquiéter, pour se mettre sous la dent, pour moudre du grain. Et la réalité, c'est que tout ce que nous faisons là, ça nous enlève la joie de vivre. Parce que ta nature réelle, c'est l'ignorance. Tu ne sais rien. Et la pensée, tout ce que tu veux, c'est de mettre en place quelque chose pour que tu puisses être rassuré. Et toute ta vie, ce sera des histoires que tu vas te raconter. Et ces histoires que tu vas te raconter sur ce que tu penses qu'il devrait y avoir, cet inconnu qui te fait peur, eh bien, toute ta vie, tu seras omnibulé par ça. Et en fait, tu ne seras jamais en paix. La paix te permet de vivre calmement, sereinement, intelligemment, mais pas les tracasseries. Les tracasseries vont te faire faire des choses qui sont réflexes, compulsifs. Tu ne vas plus réfléchir parce que tu ne veux plus t'inquiéter, donc tu veux une solution tout de suite. Donc c'est la compulsion qui vient. Et tu vas réagir aux événements pour pouvoir faire en sorte que l'événement ne t'accable pas. Parce que tu veux savoir, tu veux arranger, tu veux connaître comment ça va se passer demain. Et une fois que tu as pu arranger ça, alors tu te mets dans une zone de confort où tu dis « Oh, maintenant je sais !» Mais en fait, tu ne sais toujours rien. Tu te leurres. Tu te demandes vraiment qu'est-ce qui va m'arriver quand même. Le fond de l'histoire, c'est qu'on avance tous et on donne beaucoup d'importance à demain. C'est pour ça que connaître une réalité autre que tout ça demande beaucoup d'attention parce que tu es prisonnier de toute cette activité de la pensée. La pensée elle-même t'a emprisonné dans un piège où tu continue à faire exister plus de pensées et plus de pensées. Et plus ça va, plus les pensées vont devenir abondantes pour que tu puisses t'en sortir. Toute l'humanité t'a expliqué comment t'en sortir.
Et c'est ça qu'on fait, la plupart d'entre nous, c'est que on broie du noir tout le temps pour pouvoir trouver une solution. Et quand on a la solution, eh ben, on n'a pas de solution parce que tout est éphémère. Tu n'es jamais satisfait de la solution. Donc, tout ce que tu fais, tout ce que ta tête subit, c'est vain. C'est quelque chose que tu subis pour rien. Tu n'es pas là pour ça. Donc, il faut laisser tout ce que tu connais, tout ce que tu as pu apprendre, le mettre de côté et accepter que tu ne sais rien. Et c'est cette acceptation dont je parle qui est cruciale pour chacun d'entre nous. Parce que quand tu veux savoir, tu commences à travailler ta tête. Et une tête qui travaille, c'est pas une tête en paix. C'est quelqu'un qui est agité par une certaine réponse qu'il veut avoir. Et il est tout le temps omnibulé par cette chose qu'il doit apprendre pour pouvoir se mettre dans une zone de confort pour dire ah, maintenant je sais. Mais en fait, il n'y a rien à savoir. Il n'y a rien à trouver parce que, en fait, ce ne sont que des inquiétudes de ce que tu devrais savoir et tu aimerais savoir. Mais il n'y a rien à savoir puisque ce que tu es, c'est la plus grande importance de toutes. Quand tu sais qui tu es, quand tu as compris, quand tu as découvert que tout ce vide, cette ignorance, cet ennui, cette insatisfaction dans lequel tu vis, et si tu n'acceptes pas ça, alors tu vas vouloir faire en sorte que une vie que tu aimerais arrive. Donc, c'est pour ça qu'on est tout le temps en remue-ménage dans ce monde et on cherche toujours à faire exister quelque chose qui n'a pas lieu d'exister. Parce qu'on veut faire exister, en fait, quelque chose que on a inventé parce qu'on a peur de cette ignorance, de ce vide qu'on est. Si tu acceptes d'être ça, alors pour toi, il n'y a pas d'importance s'il y a un Dieu ou pas. Pour toi, il n'y a pas d'importance si tu vas mourir ou pas. Pour toi, il n'y a pas d'importance de ce que demain sera, puisque tu es là, présent. Cette présence, c'est ça qui est vivant, et c'est la seule chose que tu peux savoir. C'est ce moment où tu respires là, c'est la seule chose que tu peux être consciente. Autrement, tu vis dans l'ignorance, tu es omnibulé par l'inconscience. Parce que quand tu es conscient comme ça, tu n'as plus besoin de rien. Parce que tu es là. Et cette présence suffit. Parce que tu n'es plus dans le désir de trouver un autre état qui va te consoler de ton ignorance. Donc si tu acceptes d'être celui que tu es, sans chercher plus, sans chercher quelque chose qui va te contenter, quelque chose qui va te donner un peu de gaieté dans ta vie monotone, si tu acceptes de vivre ça, alors tu vas comprendre que ce que tu es est quand même sacré. Alors tu n'as plus ta tête, ton esprit est calme, reposé. Et c'est dans ce repos silencieux où il n'y a aucune pensée, aucune appréhension, aucune projection dans demain ou nostalgie dans le hier qui est là. Alors il y a un calme serein, extraordinaire. La plupart d'entre nous, on a peur de ça. Parce que ça implique que tu es face à toi-même, c'est-à-dire cette ignorance, ce grand vide. Parce que ce que tu aimes faire exister, c'est tout ce que tu as appris. Tu l'emmènes dans ta tête et tu le rumines tout le temps. Tu le rumines, tu le rumines, tu le rumines et tu veux faire en sorte d'exister. Tu veux faire exister ce que tu rumines. L'idéal. Tu veux l'idéal. Tu veux quelque chose pour te rassurer. Mais il n'y a rien qui existe. Tout est illusion.
La seule chose qui existe, c'est quand tu es vivant là. Et c'est la seule chose que tu peux vivre. Là, maintenant, tu regardes cette vidéo, c'est le seul moment où il y a une existence qui est prouvée être là. Autrement, tout le reste, c'est des histoires qu'on se projette, on court dedans, on va dans hier, et puis on se raconte des histoires, et toute ta tête, elle est complètement, complètement envahie par toutes sortes de pensées que tu te mêles les pédales avec. Mais quand tu arrives à rester là, accepter cette condition, et ne plus chercher à savoir s'il y a un Dieu ou pas, s'il y a quelqu'un qui t'aime ou pas, et juste être là, et accepter ça, alors, dans cette paix-là, se révèle à toi l'univers. Parce que c'est ça l'univers. Et ce que tu es, c'est l'univers. Quand tu exprimes ton être le plus profond dans ce silence, c'est l'univers qui vient se montrer. C'est la vie. Et la vie n'a pas de hier ni de demain. Donc ça veut dire que tu es face à tout ce que tu es. Et ce que tu es là, si la pensée entre dedans, alors il voudra savoir comment faire pour pouvoir exister. Comment faire pour pouvoir perdurer la zone de confort que je me suis faite. Parce que maintenant, j'étais ignorant, maintenant je sais. Donc je vais continuer à faire augmenter cette zone de confort parce que c'est vital pour moi de savoir. Parce que dans ce monde, il est interdit de ne rien savoir. C'est-à-dire que tout le monde va te pointer du doigt. Il y aura des gens qui vont te juger parce que tu ne sais pas. Ça ne veut pas dire que intellectuellement, tu ne dois pas savoir comment conduire une voiture ou bien faire ton repas et tout ça. Je parle du savoir de ce que la vie te propose. S'il y a un Dieu ou pas, s'il y a quelqu'un qui va t'aimer ou pas, si tu es... S'il y a un destin pour toi, s'il y a une mission pour toi, qu'est-ce que c'est la vie que j'ai? Tout ça, c'est ces questions-là qui font que ta tête n'est pas au repos. Fondamentalement, quand tu cesses de courir après le désir que tu veux faire naître, alors tout rentre dans l'ordre. La vie est juste ce qu'elle est, et non ce que tu penses. Parce que ce que tu penses, ce sera de découvrir qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est là-bas dans le néant, qu'est-ce qu'il y a qui fait peur, quelles sont mes références là-bas. C'est ça que tu veux savoir. Tu ne veux pas être perdu dans ce vide. Donc tu te rallies au passé que tu connais, tu fais exister ce connu, et tout ça, ça t'omnibule, parce que tu veux garder tout ça, tu veux garder le connu pour être rassuré quand tu es face à l'inconnu. Et le fait de faire ça, alors tu n'es pas en paix. Et la vie, tu ne la connais pas. Tu ne connais que ce que tu connais, ce que tu as appris, et tout ce que tu a appris, se répète, est limité, parce que ça vient du passé, et le passé a besoin encore de demain pour pouvoir encore savoir. Donc, ton histoire est sans fin, et tu as besoin toujours d'une histoire. L'histoire se raconte toujours, mais il faut attendre que demain se passe, que l'histoire se fasse. Mais la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. On garde l'histoire qu'on a. L'histoire qu'on a est merveilleuse. Je l'ai rencontrée hier et je me suis senti si bien. Je voudrais la revoir encore pour demain. Donc, tu vois, toute cette activité-là fait exister un lendemain. Et en fait, tu ne vis pas l'instant où tout coule. Tu empêches la vie qui coule d'être là.
parce que tu te donnes pas la facilité d'être ouvert à ce que la vie propose. Et ça, c'est une grande intelligence. Parce que si tu es occupé avec ce qui a été et ce qui sera, alors tu seras dans l'illusion et ton esprit ne sera pas en paix avec toi-même. Parce que tu seras en dualité avec ce qui coule, qui est toi. La vie, c'est toi. Et entre ce qui coule et ce que tu aimerais avoir. Ce que tu aimerais être. Et ce que tu aimerais être, justement, n'est pas vrai. Ce que tu es est là. Et ce que tu es là, quand ton esprit est vidé de toutes sortes de pensées pour fabriquer hier et demain. C'est-à-dire que tu vas dans hier, tu ramènes hier dans aujourd'hui, tu concoctes, tu arranges, tu innoves et tu l'envoies dans l'espoir. Et tout ça, c'est la tracasserie d'une vie. Et c'est ça que nous faisons la plupart d'entre nous. Nous nous tracassons pour que demain sera mieux. Et c'est fatigant parce que l'esprit n'est jamais au repos. Il n'y a pas la paix. Très rares sont les gens qui sont en paix parce qu'il y a toujours quelque chose qui cogite. On dit toujours le petit hamster dans la roue là. Il s'arrête jamais. Et pour être en paix, il faut que ça s'arrête. Et là est toute la grande question de notre vie. Comment faire arrêter ça? Tout cet amalgame du passé qui vient dans le présent et puis qu'on concocte et puis qu'on envoie dans l'espoir. Tout ça, c'est l'activité de la pensée. Tout la psyché de l'homme est impliquée là-dedans. Dans ce mécanisme de la pensée qui nous ramène toujours à ce que demain sera et qui nous fait peur parce qu'on a peur d'être dans l'ignorance, on ne veut pas être dans l'ignorance, donc on s'active à vouloir trouver quelque chose pour se faire valoir. Et celui qui se fait valoir, c'est justement tout cet amalgame de pensées que nous nous sommes identifiés avec, nous sommes devenus ça. Et on appelle ça « moi ». Moi. Moi, c'est tout mon passé. C'est tout ce que je projette. C'est tout ce que je concocte. Moi, c'est ça. Mais ça, ça n'existe pas. Ça appartient à hier. Ça appartient aux références, aux conclusions des expériences que le monde a fait et que tu te fais toi aussi. Donc tu as des expériences, tu les vis, tu les ramasses, et puis avec ça, tu t'identifies. Et quand quelqu'un te demande qui tu es, ben, je suis ci, je suis ça, je suis un homme, je suis une femme, je suis directeur, et j'ai compris ça, j'ai fait des mathématiques, je connais plein de choses. Mais en fait, tu te donnes une allure en te faisant croire qu'il y a quelque chose que tu es. Or, tu n'es pas ça. Tu es rien, un vide, un silence, une ignorance totale, parce que l'univers est infini. Donc, tu dois explorer à chaque instant, et tout le temps, tu restes ignorant. Mais à chaque instant que tu visites l'inconnu, que tu oses sortir de ta zone de confort pour voir au-delà des sentiers battus, à ce moment-là, la vie t'envahit et tu vis d'instant en instant ce qu'il y a. Tu apprends d'instant en instant. Tu n'empiles plus puisque c'est d'instant en instant que tu apprends. Il n'y a pas quelque chose que une connaissance que tu empiles l'une dessus l'autre et tu dis « je sais maintenant ». Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est un apprentissage d'instant en instant et tout ça, te donne la perception de ce qu'il y a au-delà de tout ton connu. Et une perception qui ne sera jamais, jamais finie, parce qu'elle s'ouvre vers l'infini. Donc, te connaître, non pas ce à quoi tu t'es identifié, mais connaître ce que tu es pour de vrai,
Ça veut dire, il faut que ce que tu es là maintenant en tant qu'identification de toi-même, il faut que ça cesse. Il faut que tu oublies ça. Parce qu'autrement, tu ne pourras pas apprendre, puisque tu es déjà envahi avec tout ce que tu sais. Et ce que tu sais t'empêche d'apprendre d'instant en instant. Parce que tu ne veux pas rentrer dans ce qui est inconnu et tu as peur de cet état d'être qui fait que tu es rien. Parce que tout le monde t'a dit toute ta vie, il faut être quelqu'un. Donc tu as peur d'être ce que communément on dit un ignorant. Donc tu te donnes des choses à poursuivre pour pouvoir croire que tu vas savoir. Donc tu te donnes la croyance d'un savoir que tu fabriques et tu dis maintenant je sais parce que je crois. Mais tu sais rien du tout parce que tu crois. La croyance, c'est pas quelque chose que tu peux être, c'est pas quelque chose de vrai. C'est pas un fait. C'est quelque chose que tu as appris de tout ce que l'expérience t'a donné et tu en as fait une image et c'est cette image de ce que tu aimerais voir venir que tu adores. C'est ça la croyance. Mais les faits, vivre maintenant comme tu es là. Il n'y a pas de croyance là-dedans, il y a juste un fait qui se joue. Tu es là. Présent, dans cette présence. Et cette présence, c'est une conscience qui ne peut pas mentir, qui, parce qu'elle n'habite pas dans le passé, elle est là maintenant. Elle est neuve, d'instant en instant. Et ce que tu es, c'est cela. Et cette ignorance te permet de savoir que tu as toujours quelque chose à apprendre. Et si tu apprends à chaque instant, alors tu n'as plus besoin de prouver rien. Tu n'as pas besoin d'essayer de prouver que Dieu existe ou pas. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es fort ou pas. Tu n'as pas besoin de prouver les idées que tu as accumulées, les conclusions que tu as faites. Parce que tu as accepté d'être l'ignorance qui apprend d'instant en instant. Donc tu restes simple, humble. Et en fait, quand tu es comme ça, il n'y a pas d'arrogance envers celui qui ne sait rien parce que tu penses savoir, donc tu lui dis comment les choses devraient être. Tu contrôles, tu voudrais que l'autre sache ce que tu sais. Parce que tu te donnes de l'importance et tu te crois être important. Mais tu ne sais rien. Donc on n'a rien à prouver à personne. Laisse la vie être. Et tu vas voir que à ce moment-là, les gens ils auront envie d'être à côté de toi. Parce que tu ne les embêtes pas. Tu leur demandes rien, tu n'attends rien. Tu n'as pas d'intérêt. L'intérêt pour nous, la plupart d'entre nous, c'est de refourguer ce que l'on sait parce que ça nous rassure que l'autre qu'on voit la même chose que soi. Donc on cherche un groupe pour appartenir à ce groupe-là parce qu'autrement tu es rien. Un groupe ou bien une famille ou bien un pays, quelque chose où tu te sens être quelqu'un. Parce que ça te donne l'impression d'être moins bête. Je suis français. Donc tu peux dire au monde, je suis quelque chose, je suis français, je suis américain. Et tout le monde, dans le monde entier, va exprimer tout ce qu'il est devenu. Parce qu'il a fait des conclusions et c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc ils établissent la norme à travers ce qu'ils proposent. Donc, dans le monde entier, il y aura
le groupe ceci, cela, qui va dire, ben, nous, on est comme ça, on est comme ça. Moi, je suis chrétien, moi, je suis musulman, moi, je suis bouddhiste, moi, je suis politicien, moi, je suis maître d'école. Et tout ça, ce sont des rôles que nous jouons pour nous faire croire que nous ne sommes pas rien. Nous sommes quelque chose, là. On sait quelque chose. Mais en fait, tu ne sais rien. Il faut être honnête avec soi. On ne sait rien. La vie, c'est quelque chose que tu apprends d'instant en instant. Que tu aimes ou pas. Et quand tu apprends, tu es humble. Et c'est le seul moment dans la vie où on peut apprendre. Autrement, tu n'apprends pas. Parce que tu sais. Parce que tu dis que je sais. Parce que tu as déjà fait une image de ce que la vie devrait être. Tu as une croyance. Ou tu n'as pas de croyance. Donc tu as une image de comment les choses devraient être. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'humilité. L'humilité, c'est de savoir que tu es rien, tu ne veux rien, tu n'attends rien de qui que ce soit, et tu laisses les choses être. Accepter que c'est comme ça. Accepter que tu ne sais rien. Parce que c'est seulement à ce moment-là où tu délivres ton être, ton esprit, pour qu'il soit libre d'aller explorer ce qu'il y a. Autrement, tu n'explores rien. Puisque tu es bloqué à tourner en rond, comme le petit rat. Tu sais, le petit rat, dans le petit hamster dans la roue qui tourne, là. Tu vois? Tu constamment, tu fais ça. Donc, tu vois, ce qui nous arrive, en fait, c'est qu'on est prisonnier de cet engouement de ce que demain propose. Et quand on est comme ça, ben, tout se perpétue de la même manière. Nos souffrances aussi, nos insatisfactions aussi. Donc il faut juste accepter que tout ça, ça n'a aucun sens. Tu n'as rien à trouver, rien à prendre, rien à garder. Parce que tout s'apprend d'instant en instant.